Le président ivoirien Alassane Ouattara a prononcé le traditionnel discours de fin d'année. Discours pendant lequel il a dit de l'économie ivoirienne, et je cite, « Notre économie se porte globalement bien, elle est solide, elle est résiliente. » Fin de citation. La croissance économique s'est située autour du taux très appréciable de 8% en 2017, après un taux de croissance moyen annuel de 9% sur la période 2012-2016, a-t-il poursuivi. Cela en dépit des fortes tensions internes et de la baisse des cours du cacao. Cette bonne performance de notre économie a permis de résorber la dette intérieure, en particulier vis-à-vis de nos PME, en payant plus de 911 milliards de francs CFA à 8 914 fournisseurs et prestataires de l'État. Alassane Ouattara a promis d'améliorer l'environnement des affaires par le renforcement du dialogue avec le secteur privé et par l'accélération des réformes structurelles et sectorielles, notamment dans le cadre du Doing Business et du Millennium Challenge Corporation. Depuis 2011, nous avons amélioré les infrastructures de base et les services sociaux afin de garantir l'épanouissement et le développement harmonieux des populations. Ces propos sont du président Alassane Ouattara lors de son discours prononcé le 31 décembre dernier, avant de rappeler les importants projets de construction d'infrastructures sanitaires réalisés au terme de 2017. Infrastructures parmi lesquelles se trouvent le CH Angry et le centre radiothérapie et d'ologie médicale, le premier du genre en Côte d'Ivoire. Ce centre devrait donner aux populations ivoiriennes et de la sous-région l'accès aux thérapies de haut niveau et aux technologies développées pour le traitement et la prise en charge des patients atteints du cancer. Le système de santé devrait être amélioré les années à venir, comme le promet Alassane Ouattara. Sur la période 2018-2020, plusieurs projets sont annoncés, au nombre desquels la construction de nouvelles infrastructures de santé sur l'ensemble du territoire national, un CHU à Abobo, 6 nouveaux centres hospitaliers régionaux, 5 hôpitaux généraux, 3 hôpitaux militaires à Daloa, Boaké et Okorogo et 200 établissements sanitaires de premier contact. Le gouvernement a mis en œuvre de 2015 à 2017 3 programmes en faveur du développement des compétences des jeunes pour l'accès à l'emploi et à l'entrepreneuriat ainsi que pour l'appui à l'auto-emploi dont plus de 200 000 jeunes ont pu bénéficier. Par ailleurs, le programme d'apprentissage a permis de former plus de 6 000 jeunes. D'ici 2020, environ 133 milliards de francs CFA serviront à la construction et à l'équipement de 15 nouveaux établissements et à la réhabilitation de 23 établissements d'enseignement technique et professionnel à travers toute la Côte d'Ivoire. Des efforts supplémentaires sont attendus pour la mise en œuvre de l'école obligatoire, avec notamment l'ouverture de 3440 nouvelles classes dans le primaire, la construction de 40 collèges de proximité, de 7 lycées avec internat pour les jeunes filles et le recrutement de 5000 instituteurs adjoints pour l'année scolaire 2017-2018. L'accès à un enseignement supérieur de qualité devrait être amélioré pour une meilleure employabilité des diplômés ivoiriens.